Je voulais quand même vous dire que vu qu'on est dans l'environnement Google, on va dire quoi? On va dire à notre monde en général, ben, tout le monde, le navigateur qui est priorisé, on va s'entendre que ça va être Chrome. Il va fonctionner avec d'autres, mais c'est vraiment Chrome si vous voulez optimiser votre travail, que ce soit dans n'importe quoi dans le Drive. Quand on travaille avec des outils Google, on va utiliser son navigateur. Ce qui est agréable aussi, de tout l'environnement Google, incluant Classroom, c'est qu'il va fonctionner très, très bien avec différentes plateformes, pas plateformes, mais différents outils. Si on va parler ici de Chromebook, de téléphone cellulaire, de tablette, on s'entend que les téléphones cellulaires, ça peut dépanner rapidement, là, mais on ne travaillera pas sur Classroom avec un cellulaire, mais avec une tablette, ça pourrait fonctionner. Il faut juste se dire que il faut vraiment télécharger les applications, là, c'est pas comme sur l'ordinateur.